Un exercice de préparation mentale pour se relâcher. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance et auteur du livre L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé que vous pouvez retrouver dans la description avec d'autres cadeaux. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale, une vidéo en suite et j'avais envie de la faire avec vous dans cet esprit léger. Puisque là, je viens de finir une très grosse semaine de travail, le tournage vidéo. Et donc, je voulais en fait profiter avec vous pour pouvoir faire un exercice de préparation mentale, pour pouvoir se relâcher, pour pouvoir faire baisser la pression et pour pouvoir être simplement présent et se remplir en gros de bonnes choses. Ok, donc vous êtes prêts, on va le faire ça ensemble. Ça va être un exercice assez calme. Et là, ce que je vais vous demander, en fait, c'est qu'on va prendre le temps de noter ensemble tout ce qui va bien aujourd'hui dans votre vie, toutes les choses pour lesquelles vous pouvez avoir de la gratitude. Ça, c'est un exercice que j'avais fait à l'époque quand j'intervenais avec des jeunes en décrochage scolaire, du coup, qui se plaignaient assez souvent. J'avais dit, ok, écrivez tout ce que vous avez. Alors, des chaussures, à manger, etc. Et un toit. Et en fait, en leur faisant noter ça, et bien, du coup, ils disent, ouais, mais monsieur, c'est normal qu'on a ça, en fait, c'est normal. Okay, c'était une norme. Et en fait, ce que j'avais pris, je leur ai demandé, ok, posez tous votre feuille là. Et j'étais arrivé, et j'avais fait, chiaf, j'ai chopé la feuille. Et je fais, tu vois, ça disparaît de ta vie. Tu te sens comment? Non, mais là, je me sentirais trop mal et tout, je serais pas bien. Et imagine, deux jours après, je te redonne tout ce qui est sur ta feuille, je serais trop content. Ok, donc ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es obligé de perdre ce que tu as pour pouvoir voir que en fait, ce n'est pas normal et c'était ouf ce que tu avais et c'était hyper bien ce que tu avais. Et du coup, en fait, une des clés du bien-être, ça va être d'arriver à désirer ce que l'on a déjà. Quand on arrive à désirer ce qu'on a déjà, on va vers le futur en se focalisant sur du plein et non pas en allant vers du manque et sur du vide. Donc là, on va faire un petit moment ensemble où vous allez pouvoir mettre sur pause, que ce soit la vidéo ou même cette journée. Et on va prendre ensemble le temps de noter tout ce qui va bien dans votre vie aujourd'hui. Voilà, l'idée c'est de noter au moins 10 choses. Et alors volontairement, je ne vous les partage pas ce que j'ai noté, puisque en fait, automatiquement, c'est automatique, il y a une des probabilités pour que le cerveau compare, en mode c'est mieux ou c'est moins bien, ah mais lui c'est mieux, c'est pour ça qu'il a la gratitude, etc. Donc volontairement, je ne partagerai pas ce que j'ai écrit et pour pas induire l'exercice. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va juste prendre 30 secondes et on va poser après un ancrage. Vous pouvez pincer simplement le pouce contre l'index et penser au mot, gratitude ou plaisir ou plénitude, bref, un mot qui peut venir comme ça ou pas. Et en fait, là, on va commencer à visualiser tranquillement tout ce que vous avez noté sur votre feuille. Et à un moment donné, je vous demanderai de prendre une bonne inspiration et sur l'expiration, simplement de faire votre ancrage. Et comme ça, à chaque fois que vous ferez ce geste et que vous penserez à ce mot, vous pourrez vous reconnecter immédiatement à cet état de bien-être. Ok, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, fermez les yeux. Voilà, fermez les yeux. Très bien, génial. Moi, je vais le faire en même temps que vous. Ok, super. Et concentrez-vous sur votre respiration. Et faites redescendre la respiration dans le ventre. Et vous pouvez sentir le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Voilà, et de sentir que chaque muscle sur les expirations les muscles se détendent. Voilà. Sentir les muscles peut-être des épaules, de la colonne vertébrale se détendre. Ok, génial. Donc pensez maintenant au premier point que vous avez noté, ou un autre point, peu importe. Et peut-être même d'autres points qui viennent en dehors de la feuille. Puis un deuxième point. Et commencez à vraiment dire waouh, c'est top en fait d'avoir ça et de le désirer. Et de reconnaître que c'est cool et tout le monde n'a pas ça. Et vous prenez un troisième point.
un quatrième point. Voilà, et vous passez point par point tranquillement. Jusqu'à ce qu'une partie de vous ressente que bah waouh, c'est top en fait, j'ai déjà de la chance. Je suis déjà un être humain chanceux. Vous êtes déjà heureux d'avoir ce que vous avez déjà. Alors là, vous allez pouvoir prendre une bonne inspiration. Et sur l'expiration, c'est comme si vous alliez pouvoir serrer le pouce contre l'index. Et puis ancrer ça. De repenser à ce moment de bien-être ou autre chose. Et sur, voilà, prenez une bonne inspiration. Et sur l'expiration, ancrez ce moment de bien-être. Dès que vous ferez ce geste et vous penserez à ce mot, vous pourrez immédiatement, facilement vous connecter à ça. Et vous dire que dans votre vie, c'est déjà top. Et en fait, le reste, ce qui vient et ce qui arrive, c'est juste du bonus. Voilà, et puis ensuite, tranquillement, à votre rythme, vous pouvez revenir ici maintenant, rouvrir les yeux. Ah, super, vous étirez, baillez. Et voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite de prendre ce livre, de commander ce livre, L'identité gagnante. Le secret du nouveau dopage égalisé. Dedans, j'ai mis vraiment tout ce que j'ai appris ces 6 dernières années. Il est vraiment complet. Vous allez pouvoir vraiment aller en profondeur sur tout ce qu'on voit sur ces vidéos YouTube. Et si vous voulez aller encore plus vite, encore plus loin, pensez à prendre un rendez-vous offert, à profiter d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe, puisque là, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir une session de consulting vraiment en face à face où vous pouvez vraiment mettre en place un plan d'action pour aller vers vos rêves et vos visions le plus rapidement possible. Et sur ce, n'oubliez pas, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !